Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Le 28 TV pour votre météo d'Eure-et-Loire. Exceptionnellement, ce n'est pas Bérénice Hervé que vous allez retrouver pour ce bulletin météo, mais pour ces deux prochaines semaines, ces deux gentilles filles qui vont présenter la météo d'Eure-et-Loire. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'avais lancé un appel sur Facebook où nous recherchions des enfants âgés de 8 à 10 ans pour présenter un plateau TV au Congrès des maires. Malheureusement, à cause d'un problème technique, on va dire ça comme ça, ce plateau n'a pas eu lieu. Ces filles se sont présentées à 7h du matin, comme il était prévu, pour partir à midi, mais elles n'ont rien enregistré. Alors comment me faire pardonner, si ce n'est que de leur proposer d'enregistrer le bulletin météo du département d'Eure-et-Loire. Alors, je vous prie, mesdames et messieurs, depuis chez vous, d'accueillir Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour. Alors, est-ce que tu n'as pas trop le trac ? Un peu. Est-ce que tu te rappelles comment démarre la météo ? Oui, avec le générique. Bah écoute, vas-y, c'est à toi. Le générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous présenter pour cette semaine votre météo d'Eure-et-Loire. Alors, commençons par le début, c'est-à-dire lundi. Demain matin, le temps sera mitigé. Nous connaîtrons toute une alternance entre soleil et de légers nuages. Pour l'après-midi, nous aurons le même temps, mais avec un soleil plus présent qu'en matinée. Un petit vent faible de 5 à 10 km/h à peine soufflera sur notre département d'Eure-et-Loire. Pour les températures, elles seront douces, comprises entre 12 et 13 degrés. Cédreux, qui connaîtra la minimale pour demain matin. Pour l'après-midi, il fera chaud. Et oui, l'été a eu du mal à arriver. Il aura donc du mal à partir. Il faudra s'attendre à des températures entre 19 et 23 degrés. Je vous propose de regarder maintenant quel temps il fera pour le reste de la semaine. Pour mardi, je ne vous ai pas menti en disant que l'été aurait du mal à partir. C'est un véritable temps estival que nous aurons pour cette journée, avec des maximales à 27 degrés entre Eure-et-Loire. En Eure-et-Loire. La journée de mercredi ne sera que le prolongement de la veille, c'est-à-dire soleil, soleil, soleil. Pour jeudi, même si nous aurons quelques brumes ou brouillards matinaux qui se dissiperont rapidement, le beau temps persistera. Ouais. Pour vendredi, soleil. Pour samedi, soleil. Et pour dimanche, re-soleil. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Ma seule présence sur le 28.tv aura apporté du soleil aux quelques 430 000 habitants d'Eure-et-Loire. Sachez de plus que de mardi à vendredi, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5, puis 3 sur 5 pour ce week-end. Donc, nous aurons droit à coup sûr à une semaine ensoleillée. Comme d'habitude, on termine ce bulletin météo avec l'éphéméride pour la journée de demain. Le soleil se lèvera à 7h42 pour se coucher à 19h46. Demain, il faudra fêter la Saint-Damien. C'est une nouvelle fois 4 minutes de soleil que nous perdrons
pour toute cette semaine. Je remercie Célino, le partenaire de la météo, grâce à qui j'ai pu présenter ce bulletin et voir comment fonctionnait la météo que je regarde dans ma télé. Je remercie aussi Bérénice de m'avoir laissé sa place pour cette semaine. Il est temps pour moi de vous quitter. La semaine prochaine, vous retrouverez Mia, une autre jolie jeune fille comme moi. Bonne semaine à tous. Au revoir.